Bonjour, bienvenue sur la chaîne Couteau Collection. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit prix, un couteau abordable pour tout le monde, hein. On est sur une vingtaine d'euros. Sur le site du couteau, vous le trouverez à 21 euros pour être plus précis. Après, en boutique, ça peut varier de quelques euros. Celui-là. On me l'a offert, donc il va falloir que je fasse gaffe à ce que je dis. Hein. En plus, c'est ma fille et sa mère, donc c'est un couteau que j'aime, du coup. Hein, j'y tiens beaucoup. Je vais éviter de trop l'utiliser, parce que je vais être franc. Hein. Herbert, c'est allemand. Ça aurait buté pour être costaud, robuste, mais franchement, sur les clients, c'est pas des tueurs, quoi. La qualité, on va dire qu'elle est plus ou moins médiocre. Hein. C'est joli, par contre. Donc, moi, il va très bien avec le reste dans ma collection, mais voilà, c'est pas un EDC. Hein. C'est vraiment pour faire joli. Alors, ma fille, elle m'a fait. Une petite attache, hein, voilà, avec un petit papa je t'aime, c'est super mignon. Alors, le couteau, sinon, pour ce qui est du manche, hein, c'est de l'acier, hein, c'est du 440. Est-ce que c'est bien utile que je vous parle du mécanisme et de la façon dont ça a été travaillé, hein, forcément, vous pouvez regarder, il n'y a rien de centré, c'est même dégueulasse. La lame, ça bouge, hein, forcément. Et au niveau du, ça bouge parce que on a une finition en caoutchouc. Hein, vous voyez, les rondelles en blanc, c'est du caoutchouc rigide, mais du caoutchouc quand même. Donc, se s'ouvre façon pas extraordinaire. Hein. Ça bouge plus trop, par contre. Une fois que c'est ouvert, ça va. Hein. C'est quand même. Vous pouvez utiliser. Vous pouvez toujours faire un peu de cuisine avec, découper des sauces, des trucs comme ça, mais ça ira pas plus loin. Hein. Voilà. Après, ça coupe bien. Hein. Ça coupe même très bien. Mais bon, on est sur une lame EASY 420. Voilà quoi. Ça va couper, mais pas longtemps. Il faudra tout de suite réaffûter après chaque utilisation, quoi, si vous voulez que ça conserve son tranchant. Pour le détail technique, on a 8,7 cm de lame, 11,5 cm de manche, pour un total de 20,2 cm. Ce qui choque, à chaque fois qu'on l'a en main, tout de suite, on se dit waouh! Il n'est pas spécialement immense le couteau, mais il fait quand même 161 grammes. Hein, ça pèse. C'est l'acier, quoi. C'est pas journé à l'intérieur. On sent tout de suite que ils sont pas trop cassés le cul sur la finition. Enfin, sur la finition extérieure, sur le visuel, si, on a quelque chose de vraiment super joli. Hein, c'est beau. Mais bon, voilà. 20 euros. Hein, donc forcément, à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Mais si vous voulez quelque chose de joli, et que vous avez 20 euros, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Moi, j'aime bien l'esthétique du couteau. Quand je l'ai vu, j'ai tout fait waouh! C'est vrai que il y a des petits détails, les petits trous sur le clips, le petit relief. Non, c'est beau, c'est beau, voilà. Après, hein, je le répète, c'est pas un couteau. Utilitaire, on va pas s'en servir tous les jours parce que bon, ça risquerait de s'abîmer quand même assez vite, je pense. Hein, au niveau du mécanisme de la lame, si vous êtes un peu brutal avec, à mon avis, il va pas faire long feu. Voilà, donc ouais, c'est surtout pour mettre dans une petite collection. Hein, voilà, il ira très bien dans une petite collection. J'aime bien, ça c'est joli. Le bois, je suis incapable de vous dire ce que c'est. J'ai regardé, j'ai essayé de chercher. C'est écrit nulle part, même sur le site allemand. Ou alors j'ai pas bien compris, forcément. Voilà. On a un petit grip là.
Donc voilà, je suis content quand même de l'avoir, hein. Ça m'a vraiment fait plaisir quand je l'ai reçu, quand on me l'a offert. Vraiment. Donc ça a le mérite d'être dit, voilà. Hop. Et puis bah, si vous le voulez, je vous mettrai le lien en description. Pour les petits couteaux à 15-20 euros, vous verrez, il y en a un peu toutes les formes, toutes les couleurs. C'est sympa, voilà. Sans plus, quoi. Mais c'est sympa quand même. Il y a des trucs assez mignons, assez jolis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Puis, ben, un de ces quatre, bye bye.